Bonsoir à tous. Ça y est, on est là. Hello! Je suis avec Castor Mutant ce soir. À chaque fois, je me trompe de côté. J'ai déjà plus de voix, c'est Ouais. super. Je suis Est-ce que là. vous connaissez Castor On n'est pas Mutant? prêt. Elle a la foule en délire, dit oui. Moi! N'hésitez pas à T'aurais dire dû mettre un si question. Ah vous nous entendez bien, juste pour être sûr que tout est OK. oui. J'aurais dû mettre un t-shirt Castor, j'y ai pas pensé. Ah, bah mince alors. Il y a un petit castor à côté de ta vidéo. On Hey, ne bah peut voilà, pas le très bien. louper. Bien sûr. Bon, alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à papoter avec nous. C'est un petit peu le but du live. Pour ceux qui découvrent, du coup, eh ben, l'idée c'est que on joue ensemble à un jeu. Donc de Blue Cocker. Et ensuite, enfin, on papote aussi pendant, hein, mais ensuite on papote de ce que fait notre invité du soir dans le monde du jeu de société. Et puis ben voilà, on parle de diverses choses, de jeux, de tout et de rien, de tout ce qu'on a envie. Et puis on parle surtout avec vous. Et puis on fait des jeux de société, on n'est pas devant le foot. Voilà, on est des rebelles. On est des rebelles, on fait une contre-soirée. Faites une contre-soirée avec nous. Soyez solidaires. Bon, bonsoir à ceux qui sont là. Si le son est impeccable, c'est parfait. Bonsoir à la Marina, la Hélice, Lobs. Bonsoir à toi. Et n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas de pseudo, à vous créer un petit compte rapidos. C'est toujours plus sympa si on peut parler tous ensemble. Tout à fait. Avant que je ne commence à parler du jeu, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas forcément de feuille de jeu devant eux, de jeu tout court. Du coup, je vous mets les liens dans la... Oh tiens, je parle avec Adig. Alors attendez, je vais vous mettre les liens ici. Bon, ça change rien. Vous avez le lien de la feuille de score avec mon pseudo à moi dans la discussion. Et je vous mets aussi ceux qui sont sur PC ou sur tablette, le lien vers l'application, qui est fort pratique. Sur téléphone, ça marche pas. Donc c'est vraiment sur PC tablette. Vous pouvez utiliser l'appli. Et puis en fait, ça fait comme nous, ça calcule tout pour vous. C'est plutôt pas mal. Et puis bah, du coup, ça vous permet de jouer encore plus facilement tout en nous écoutant. Bonjour les gens. Oui, alors on me voit tourner à droite ou à gauche. Il faut savoir que j'ai trois écrans parce que trois écrans, c'est Eh pratique. oui. Et encore, j'aimerais bien en avoir un quatrième ou un cinquième, mais attendre un peu parce que maman Castor elle va me dire que je prends déjà trop de place en haut. Alors juste avant peut-être qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'appelles Castor Mutant? Ben, ça vient de l'épisode 24 du donjon de Nahulbeuk. Qu'est-ce que le donjon de Nahulbeuk? Le donjon de Nahulbeuk est une série audio qui a été créée par John Lang, aka Pain of Chaos, dans les années, il y a 20 ans, dans les années 2000. Et il y a 30 épisodes qui ont ensuite été dérivés en bande dessinée et en jeu de rôle et en jeux vidéo et en roman et en d'autres formats. Et il existe un passage où, en fait, donc ça raconte quoi? Ça raconte en 30 secondes l'histoire d'un groupe d'aventuriers dans un univers medfan, c'est-à-dire médiéval fantastique, où il y a un elfe, un ranger, une magicienne, un ogre, un paladin et un barbare, et un voleur, qui vivent des aventures dans un donjon. Et à un moment, il y a le nain qui dit, il y a l'elfe qui fait une réflexion et qui dit, on peut voir toutes sortes de choses dans la forêt, notamment des jolies gazelles et ce genre de choses. Et le nain, il dit, ou alors des castors mutants qui crachent de l'acide par des jeux et qui bouffent nos intestins. D'accord. Pardon, Voilà. j'ai plus de voix. Donc, comme je suis fan du donjon de Nahulbeuk depuis le collège,
jusqu'à aujourd'hui, de nos jours. Du coup, bah, j'ai choisi Castor Mutant comme pseudonyme parce que c'est un passage d'épisode qui me fait Non, marrer. mais trop bien. Je ne connaissais pas l'histoire, du coup, merci de nous l'avoir réexpliqué. Et du coup, ma maman, c'est Maman Castor. Maman Castor Et alors, est-ce Mutant. que Maman Castor joue? Maman Castor, au début, elle jouait pas trop. Enfin, elle aimait bien les jeux traditionnels, donc Belote, Tarot et tout ça, le barbu notamment. Et après, au fur et à mesure, je lui ai appris un peu à jouer à des jeux pliés. Alors au début, c'était difficile parce qu'elle ne comprenait pas que les points au barbu, c'était exactement la même chose que les points de victoire. Parce qu'on a changé de terminologie, mais ça veut dire exactement la même chose. Et que le yams qu'elle pratiquait quand elle était plus jeune, c'est un roll and write. En fait, c'est juste que c'est les mêmes termes qu'à l'époque, c'est juste que ça a été nommé, entre guillemets. Donc maintenant, elle joue à des jeux et elle aime bien, genre, Next Station London, elle aime bien tout ce qui est roule et gribouille, comme dirait Monsieur François. Elle aime bien les jeux de cartes, les jeux de plis, comme Jeu Ah Crew. ouais. Elle aime bien Welcome aussi. Globalement, ce qui lui plaît, c'est les stylos et les feuilles. Et elle adore écrire. Donc, du coup, avant, elle était assistante de direction. Donc maintenant, à chaque fois qu'il s'agit de gribouiller des feuilles, de dessiner, ou de. Genre les jeux comme esquisser, où il faut dessiner, ou alors lancer des dés et gribouiller des feuilles, voilà, c'est son grand Ok. truc. Alors, est-ce qu'elle joue du coup ce soir avec nous? Et non, elle regarde dans son lit, sur sa Ok. tablette. Elle peut jouer sur sa tablette. Ouais, alors ça ferait beaucoup de. Ça fait beaucoup, peut-être. C'est vrai. Ouais, voilà. Mais elle sera à Cannes avec moi. Oh. Avec un badge pro et Trop tout, bien, la classe. nom de la société. Bon, alors, est-ce que sur le chat, vous connaissez tous Welcome ou est-ce qu'il faut que je fasse un petit rappel? Je fais un mini rappel le temps que vous vous exprimiez. Je rappelle donc que sur chaque feuille, on a trois rues avec des maisons de gauche à droite. Il faut les remplir de manière croissante, ces rues. Donc du plus petit au plus grand. Les cartes vont de 1 à 15, sachant que les cartes qui sont aux extrêmes, donc 1 et 15 par exemple, 2 et 14 sont moins fréquentes que les autres. Donc on a différentes actions possibles. En gros, à chaque tour, on va choisir une colonne, un chiffre et une action qui est en dessous. Et une fois que tout le monde a choisi son action, l'a mise sur sa feuille, on continue et on passe au tour suivant. Donc, personne ne dit rien, ça veut dire que vous connaissez tous peut-être. Si vous connaissez tous, je vais pas rappeler tout. Personne ne dit rien. Bien les piscines. Hein? Faut faire des piscines, dans le doute. Dans le doute, faites des piscines. Et oui, Marina, je tousse, je suis malade, j'ai une angine. Donc, je vais faire de mieux que je peux. Mais c'était la grosse galère déjà pour être là à 21h, je vous raconte pas. Donc, je vais assurer du mieux que je peux. Et non, Kiara n'est pas là, apparemment, comme tu le vois. on choisit des actions à chaque fois. En fonction des actions qu'on va choisir, on va remplir la partie du bas de la feuille de score. Principalement en tout cas. Pour les parcs, ça va se passer au-dessus de chaque rue. Et donc, on va voir petit à petit si jamais vous avez des doutes sur les règles. Mais en tout cas, donc en gros, les parcs font rapporter des points petit à petit quand on les coche sur chaque rue. Quand on arrive à la dernière petite marguerite à cocher, là, ça fait rapporter beaucoup de points. Donc, par exemple, sur la deuxième rue, on passe de 6 à 14, alors qu'on va de 2 en 2 au départ.
Pardon. Les piscines, petit à petit, ça va rapporter des points aussi. On va cocher des cases. Donc, pour utiliser une action piscine, il faut placer son chiffre là où il y a une piscine de dessiner juste au-dessus de la maison. Les barrières vont nous permettre de créer des lotissements. Lotissements qui vont avoir une importance pour les missions qu'on va avoir pendant cette partie. Donc là, on a trois missions qui sont là-haut, on en parlera juste après. Les lotissements qu'on va réaliser vont aussi nous rapporter des points à la fin de la partie en fonction de leur taille et de l'amélioration qu'on aura fait de chacun d'entre eux. Donc c'est l'action violette, agent immobilier. Les agents immobiliers, en fait, quand on va utiliser l'action là, vont nous permettre de cocher une case dans une des colonnes des différents lotissements, donc de 1 à 6. Et à la fin de la partie, on comptera le nombre de lotissements complets. Attention, s'ils ne sont pas complets, ils ne comptent pour rien. Donc on comptera le nombre de lotissements complets d'une, et on multipliera par le premier chiffre visible de la colonne en question. Les intérimaires, donc les violets, les oranges, pardon, les travaux, on peut appeler ça aussi comme ça, vont nous permettre de modifier la valeur du chiffre de la carte au-dessus. Donc, par exemple, un plus ou moins 1, plus ou moins 2. Donc, un 3 peut devenir un 2 ou un 1, et un 4 ou un 5. Donc, plus ou moins 1, plus ou moins 2. Si on a un 1, par exemple, on peut le transformer en 0, c'est possible, mais pas en chiffre négatif. Donc, en réalité, on peut poser des chiffres de 0 à 17, puisque les cartes font de 1 à 15. Les bis, ce sont les cartes roses, vont nous permettre en fait de compléter un peu plus rapidement la feuille. C'est-à-dire qu'on va d'abord poser notre chiffre comme d'habitude. C'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais première chose toujours, on pose un chiffre, enfin le chiffre de la colonne qu'on a choisi sur notre feuille, et ensuite on fait l'action si on veut. L'action n'est jamais obligatoire. Et donc le bis va nous permettre de rajouter un chiffre, par exemple sur ma feuille, je mets un 10. Ça c'est, j'avais un 10 déjà d'avance, on va dire. Imaginons là j'ai un 8 bis. C'est pas un 8, là c'est un 8 parc, mais je mets un 8 ici. Et mon bis, je décide de le mettre ici. 10 bis, alors je peux pas, zut, c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon exemple. Comme on va prendre un 6, un 8, allez. Je mets mon 8 bis. Oh, il veut pas. Même ça veut pas. Bon, un bis par exemple, ça donne ça. En gros, si on fait des bis, on écrira le même chiffre, hein, on va pas se prendre la tête. Donc on écrira le même chiffre, mais tout ce qui est important, c'est que le bis, on ne le fait que dans le même lotissement que le chiffre qu'on vient de doubler. Par exemple, Ah, c'est le même ouais. lotissement, ça dépasse. Si par exemple j'ai un 3 ici et que j'ai fait une barrière, je peux pas mettre un 3 bis à côté. C'est pas possible ça. Il faut que le 3 et le 3 bis soient dans le même lotissement. C'est plutôt logique en soi. Voilà pour ces rappels de règles. Alors, comment on gagne? On gagne de trois manières différentes. Enfin, comment on met fin à la partie, plutôt, je reformule. Comment on met fin à la partie? En ayant complété les trois missions, donc qui sont là-haut. Quelqu'un a rempli les trois missions, c'est fini pour tout le monde. Quelqu'un a trois refus de permis. Donc les refus de permis, c'est quand on ne peut plus rien écrire sur notre feuille. On est coincé. Par exemple, on a mis que des gros chiffres sur notre feuille et puis en fait on se retrouve avec que des gros chiffres au niveau des cartes. Eh ben ça va pas. Il faut se laisser des ouvertures possibles. Donc refus de permis, ça se passe ici. Ce sont des points négatifs à partir du deuxième refus de permis, ça fait moins 3.
Ah oui, je ne l'ai pas dit. Pour les bis, c'est aussi des points négatifs. Dès qu'on en utilise un, on coche. Et petit à petit, ça va être de plus en plus mauvais pour notre réussite, on va dire. Donc, trois refus de permis, c'est la fin aussi. Et troisième condition, la feuille est complètement complétée chez un des joueurs. Voilà les trois conditions de fin de partie. Et puis, une fois que la partie est terminée, on compte les points. Les intérimaires, j'ai pas parlé de ça, les intérimaires avec les travaux, c'est celui qui aura le plus de cases cochées qui aura le nombre de points le plus important, donc 7 points. Le deuxième, 4 points, et le dernier, enfin le troisième plutôt, 1 point. Et salut Froggy, qui nous dit bonjour. Les toutous bleus. bah écoutez, si tout va bien chez vous. On va commencer. Donc l'émission pour cette partie, c'est de réaliser 4 lotissements de 2 maisons pour l'objectif 1. L'objectif 2, ça va être de faire un lotissement à 5 maisons et 2 à 2 maisons. Et le troisième, un lotissement à 1 maison, à 2 maisons et à 6 maisons. Beaucoup de lotissements à 2. Ce n'est pas du tout volontaire. Comme on n'est que 10, que entre guillemets, hein, c'est déjà super que vous soyez là. Mais nous sommes 10. On va peut-être rester sur les conditions classiques. Sachez que le petit compteur qui est en dessous que je vais enlever, du coup, il sert juste quand on est très nombreux. Et pour éviter que les objectifs se retournent. Enfin, en gros, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand quelqu'un est parmi vous, ça va être pareil sur le chat, a complété une mission, enfin rempli une mission, on va dire, il le signale. Et comme ça, du coup, on retourne la carte. Donc le premier à réussir une mission, il obtient le chiffre qui est dans la petite fleur noire. Et les suivants auront le score qui est à droite. Donc si on avait été plus nombreux, on aurait peut-être dit, bah, par exemple, c'est seulement la deuxième personne qui remplira l'objectif que on décidera de retourner la carte. Mais là, on va rester sur les conditions classiques. Hop. Je vous remets ça en un peu plus grand. Allez, c'est parti. Alors, je vous mets les tirages dans le chat. Non, je sais, je vais pas changer, Marina, je vais laisser celui-là. Donc, je sais plus si sur celui-là je peux copier les tirages. Non, je peux pas. Donc, je vais les écrire. Donc, on a donc un 10 agent immobilier. Je vais mettre investissement. Non, immobilier, c'est plus rapide. Je les vois pas, les... Ils s'affichent pas, c'est moi, c'est Qu'est-ce normal. qui s'affiche pas? Ben, j'ai pas le l'agent immobilier, le... Je vois 19-8, mais je vois pas Déjà, les... c'est un 3 au milieu, c'est bizarre. Ah! Alors, c'est moi, c'est 19 et 8. C'est 8, 9 et 10. Ah! Là, t'as quoi? Là, si j'ai passé le... C'est passé, là, c'est 12 bis, 7 travaux et 9... Et Bah, là, 9 c'est bon. piscines. Bah, écoute, on garde le premier tour quand même. J'ai mis le tirage. Ouais, alors... Donc, 10 Ouais. immobiliers, 3 barrières et 8 Je... parcs. Vous savez, vous êtes spoilé du coup, hein? Merci, Castor Mutant. Ben bah ouais, mais juste Castor, bien sûr. Et Donc, alors, je je compte. 1, répète, on 2, avait un 3, 4, 10 5, immobilier, 6, un 7. 3 barrières et un 8 parcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, là. 8. Je prends 8 parcs. Ok. Moi, j'ai pris le 9 piscine.
Ah, oh, bah non, du coup. Bah oui, mince. Bah j'ai fait le tour suivant. Voilà, tu as fait le tour suivant et maintenant tu peux prendre un 9 piscine. Donc je fais le premier maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là, ça va être un 9 piscine. 9. Donc ensuite on a un... Hop, je mets le tour 2. Tour bien les piscines. Est-ce que comme moi, tu n'arrives pas à laisser passer les piscines? Ouais, j'essaye de toujours optimiser les piscines. Vais essayer de pas trop tousser, je suis désolée, mais ouh là là. À Manchester, il dirait qu'il faut prendre de la tisane avec du miel et du Yes, citron. c'est tout à fait au programme, mais comme j'ai pas eu le temps de manger, si tu veux, j'ai pas non plus eu le temps de prendre une tisane. Et dans le doute, un peu de rhum aussi, mais c'est pour un autre problème. Alors, on a donc ensuite au troisième tour un 4 travaux, un 9 piscines Encore un et 9 un 6 piscine. agent immobilier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et salut Serval. Pas compté. Tu peux nous rejoindre, on a fait que 3 tours si tu veux. Neuf piscines. Je change la piscine. Il y a beaucoup de cervelle dans la Ah bon? communauté des game geeks, de board game. Il y a Cerval 12 000, il y a Cerval Wolverine qui est mon modérateur, il y a Cerval qui est le modérateur de Un monde de jeux. Ah ouais, ok. Ça en fait au moins trois. C'est pas le même. Ah oui, bah. Attends, vous allez pouvoir faire une ligue. Ligue de Ils ont fait Serval. un groupe BGA entre eux. Voilà, et ça sera pratique pour les appeler. Ce sera comme dans le film Re avec Alain Sabat et Maurice Barthélémy. Avec les Robins des Bois. Pierre. Oh là là, on a encore un 9 piscines. Et... Stop les 9 Donc, piscines. 9 piscines à nouveau. Alors. Non, ah, ça sera 2 piscines. Un 2, c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui, les piscines, je les marque au fur et à mesure. Je sais pas si c'est. Si, tout à fait, tu as bien fait. Je ne l'ai pas fait. Je vais chercher du miel parce que je ne vais pas y arriver. Je reviens tout de suite. Vas-y. Alors, je vais meubler le chat. Et n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Castor Mutant pour un Twitch. Sinon, ma chaîne Castor Mutant sur Twitch. Ou alors sur Instagram. Qu'est-ce que je fais de beau? Eh ben, je suis influenceur en jeux de société. Alors, actuellement, à l'arrêt, puisque j'ai des problèmes d'Internet et nous avons des petits soucis. Bon, ceux qui me suivent, globalement, j'avais pas la fibre et maintenant, je suis Mais en train de voilà, l'avoir. désolé. Je suis en train de Je suis meubler, du désolée, coup. hein, je n'ai pas prévenu, mais Y a pas de sinon vous allez problème. m'entendre tousser toute la soirée. Et donc, je disais, je suis influenceur en jeu de société, je fais aussi du jeu de rôle et du jeu vidéo à mes heures perdues. Comment ça a commencé? Ben, en fait, je stream depuis le 7 janvier, je fais un stream anniversaire pour mes 2 ans de stream, où je streamais, j'ai beaucoup streamé en fait entre janvier 2020, 2020, 21, entre janvier 2021 et juillet 2021. Et ensuite, j'ai dû arrêter et j'ai repris, je reprenais un peu de temps à autre. Et en gros, en novembre, en septembre, je me suis dit, allez, je vais m'y remettre parce que
Parce que ce serait cool. Et puis, il y a une petite streameuse qui s'appelle Pénélope underscore gaming underscore FR. Je ne sais pas si Une vous la petite connaissez. streameuse. Elle est rigolote, elle est brune. Elle fait une petite taille. Elle parle souvent de jeux de société et elle n'a pas la langue dans sa poche. Ça vous dit quelque chose? Eh ben, elle m'a dit que je devrais essayer de me lancer parce que ce serait bien pour moi et que ce serait une très bonne chose. Donc, à grands coups de pied aux fesses, elle m'a motivé et du coup, bah voilà, je me suis mis à streamer activement en 4G, malheureusement. Et en fait, pour tout ce que je voulais faire, on s'est rendu compte que la 4G, ça suffisait pas. Donc, et puis, ça donnait rendez-vous aux gens et ça n'arrêtait pas de bugger, donc c'était l'enfer. Donc là, on est en train d'avoir la fibre. Allez, je suis opérationnelle. Ah, voilà, c'est bon. La soldate Adinorator. Et du coup, le 7 janvier, ça tombe un samedi, et à partir de 20h, je fais une soirée pour mes 2 ans de stream. On fera des jeux, du Among Us, du K-Culture. Enfin, il y a tout un programme qui est en train de. Je vais Le m'organiser. 7 ou le 17, t'as dit? Ok. Le 7, le 7, comme le troll, pour ceux qui jouent à Magic, c'est la référence, voilà. Donc c'est le 7 et c'est à 21, c'est le samedi 7. Bah écoute, je note ça. C'est le deuxième week-end. Je fais une grosse soirée jeu avec tous Et ceux du qui coup, tu penses veulent. que ça ira niveau On connexion? fera. Le technicien vient le 5 pour installer la fibre. Donc T'as raison, faut être théoriquement, c'est optimiste. bon. Ah non, mais je suis toujours optimiste. C'est Maman Castor qui m'a appelé ça. Pour être optimiste. J'ai rattrapé mon petit plaid, voilà. C'est serré. Oui, bah oui, mais bon. Théoriquement. C'est vrai que c'est serré niveau timing, mais ça peut le faire, faut être optimiste. Théoriquement. On a déjà reçu à l'époque, c'est juste à tirer le câble. Au pire des cas. Je dis toujours ma connexion 4G et comme on ne va pas faire des gros jeux, ça devrait tenir, ça devrait passer. Mais... Bon alors j'ai pas donné Ah oui, c'est pas pensé à leur demander un service pro. Hein? Putain, on aurait dû faire ça. Ah oui, c'est vrai. Tu Bon. crois? Tu peux faire ça? Je sais pas. Bon. Je sais pas si on peut faire ça, mais je vais demander à Maman Caster. Alors, pour le sixième tirage, on a 8 piscines, 15 Une IMO et 5 piscine. travaux. Ouais. Ça tombe plutôt pas mal, moi. Hello, Laetitia. Ah, bonjour. Tout, 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 tout. Bienvenue. Alors, je sais pas trop qui est-ce qui joue. Est-ce que vous jouez, les gens? N'hésitez pas à nous dire. Il y a 8 piscines, là. Craque le nez. Alors, j'ai une, deux, trois. C'est bon. Allez, on enchaîne. 5 travaux, 5 barrières et 11 immo. Manque de piscine, tout ça. Oui, donc je disais, il faut toujours être positif. Parce que, en fait, bon, pour ceux qui me pratiquent, bah, ils savent, je le répète quand même, c'est un syndrome d'Asperger, hein. Mais j'ai aussi une anomalie génétique, j'ai pas mal de, j'ai pas mal de soucis physiques, parce qu'en fait, je tiens pas très bien la distance, je suis plus tortue que lièvre, même si je suis un canard, bon, ça fait beaucoup d'animaux. Mais il faut savoir en fait que tout ce que je fais, j'essaie de mettre un maximum d'énergie, et de faire que ce soit bien fait. Et comme je suis assez perfectionniste, du coup, ça me gratte le nez, du coup, bah, j'essaye vraiment que tout soit bien fait, de prendre le temps, que ce soit fait correctement, même mes streams ou les jeux, mais toute l'énergie que je mets, vraiment, c'est vraiment pour aller au meilleur du possible. Mais par contre, voilà, le contre-coup, c'est que... Au bout d'un moment, bah, je m'épuise et il faut que je récupère. Je mets 15 jours pour Ouais, récupérer, ok. quoi.
Il ne faut pas tout donner non plus tout le temps, quoi. Ah, en fait, je donne tout le temps, mais au bout d'un moment, ça fait boum, quand même. Et là, comment tu te sens? Oh, je Tu vois. dis, hein. Il n'y avait pas un bout de barrière? Pardon. Ah non, je me suis Alors, attends, gouré. il y avait un... C'était Ah non, un c'est un 11. 11. Je me suis gouré. C'était un 6 Attends. barrière, hein. Non, moi, je voulais un 11 Il y IMO. avait un 5 travaux, 6 barrières, 11 IMO, c'est ça. Voilà. Désolé, j'ai été trop Désolé. vite. Non, c'est moi. Ah, c'est grave. Alors, on a un 12, un 4 et un Ok, 11 alors que. barrières. Vous voulez pas faire de barrière? Moins de barrières. 12 barrières, là. Va falloir faire des barrières. Oui, donc je disais, non, mais l'important, c'est d'être toujours positif. Moi, ma vie, c'est de l'espoir, en fait, globalement. Je vis toutes mes journées de manière à faire le maximum aujourd'hui, et le lendemain, ce sera mieux, quoi. C'est beau. Il faut tout donner. Ah non, mais il faut non, mais c'est ça, faut tout donner et pas désespérer. Et des fois, bah, ok, t'es crevé, t'es fatigué, tu prends quelques jours pour toi. Enfin, c'est pas très grave d'être patraque pendant une semaine ou 2 semaines, à partir du moment où l'important, c'est d'essayer, quoi. Enfin, moi, c'est ma philosophie de vie, quoi. J'essaye de toujours faire ce que je peux et d'essayer, quoi. Et Bah, puis, c'est une très belle philosophie que j'approuve. comme dit maman Castor, on fait trois petits pas en avant et un petit pas en arrière. C'est bien, c'est super comme philosophie de vie. Moi, j'approuve à fond. Et Serval fait une petite blague. L'important, c'est d'être toujours positif, sauf au Covid. Ah, je ne l'ai pas eu encore, hein. Heureusement, parce que j'ai une faiblesse dans mon système immunitaire, alors j'aimerais éviter de. Moi non plus, je l'ai pas eu. Je touche du bois. Ou alors, je sais pas, mais. Alors, qu'est-ce qui est dit? Ah, coucou Serval. C'est le mien, celui-là. Enfin, le mien. Ah, mais oui, Le nouveau. effectivement, j'avais pas capté, c'était pas le même. Serval 12 000. Tout à l'heure, on n'avait pas de Serval 12 000? On a un cerveau 12 000 et maintenant on a un cerveau Wolverine, mais. Ah, oui, d'accord. Ok, j'avais pas vu, j'étais pas allé jusque-là. Voilà. Et il y en a un troisième. Le cerveau de Un monde de jeu. Fort bien. Et qu'est-ce qu'a dit Loxicia? J'avais regardé. Ah, bah oui, c'est vrai. Du coup, t'as pas forcément commenté. J'ai pas capté. Mais de toute façon, effectivement, c'est pas la première fois que tu commentes, parce que sinon, ça aurait mis première fois que tu viens. Trop bien. Le copain de Antares 34 bis. Serval, Wolverine. Antares, qui est l'autre modérateur de Martin Wittberg sur Un monde de jeu. Voilà, c'est un peu le Marina a problème. eu peur parce qu'elle a eu peur de te donner le Covid, de te donner le Covid. Oui, parce qu'on s'est vu IRL, parce qu'il y a un autre truc, il faut savoir que moi j'adore les rencontres IRL, et un autre truc que je promeus sur ma chaîne et en règle générale, moi je suis très pour rencontrer les copains. Alors, il y a beaucoup de streamers, bon, je sais, quand j'aurai 1000 abonnés, je sais pas si je pourrais continuer à faire ça, mais le temps que je peux le faire, moi j'aime bien aller voir les copains, tous ceux qui me suivent et tout. Donc du coup, on s'est vu en Bretagne, et Marina était malade, et elle avait peur de me filer le Covid. Tout va bien. Et si, Marina, je me souviens très bien de Antares. Je me rappelle pas de l'histoire du bis, mais du coup, je vois bien. Bon, alors, on continue, pardon. Oui, un moment moins. 8 bis, 6 parcs et 9 barrières. Bis, Dû me gourer 6 quelque part, mais. et 9 barrières.
Pourquoi j'ai deux par cocher et pas de. Et que deux numéros en bas. Ah bah t'avais fait... t'as pas fait un deux piscines en plus? J'ai fait un deux piscines, c'est ce que je suis en train de regarder. Oui, déjà, je me suis loué. Voilà. J'ai bien le même nombre de numéros. Là j'ai rien écrit pour l'instant. Pour celui-là. Un, deux, Normalement, on en a 8. oui, c'est ça. Ok, oui, bah voilà, c'est moi qui me suis loué. Et là aussi, pourquoi il m'a mis une piscine de plus? Bah, faut quand même que tu Donc mettes c'est ta normal. piscine là. Ah, bah voilà, c'est pour ça. J'ai pas encore l'habitude de TTS. D'habitude, quand on joue à Welcome, on joue sur BGA, tout est Eh automatisé. ben oui, c'est vrai. Tout est plus facile, hein. On a un 6 parc. J'ai pas fait de parc, tiens, moi, presque pas. Ben, ça a l'air bon. Marina, exactement, dit ce que tu devais bien avoir sur ta feuille. Alors, 8 parcs, 9 immobiliers et 14 piscines. C'est bizarre, ta petite caméra se diminue. Je vais essayer de régler ça. En fait, quand tu parles Ma pas, caméra, oui. ta caméra Quand je réduit. suis en C'est petit, ça. très bien. 14 piscines, c'est une bonne tête, là. Ouais, c'est parfait. Ça tombe tellement bien. T'as fait plus de piscine que moi. Tourne piscine. Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a d'autres Blue Cocker à part les Welcome, parce que c'est les jeux Ah bah chez Welcome, les plus on connus. a Rest in Peace, le jeu pour deux, peut-être que tu connais. Ah oui, je l'ai essayé, je me souviens d'avoir essayé à Cannes. Il y a Je ne aussi l'ai pas. Medieval Academy qui va sortir bientôt. Enfin, qui a déjà été édité chez Blue Cocker, mais qui va être réédité. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. Et il y a Arg, un jeu avec des petites souris. De Romaric Gallonnier et la même illustratrice que Welcome, Annette Sick. Il y a Save the Meeples. Je ne sais pas si tu connais. Non, Et je vais puis regarder. Meeple War. Ah oui, mais peu loin, ça me dit un truc. Annette Sick aussi à l'illustration. Et voilà. Et puis d'autres jeux à venir. Oui. C'est les débuts, hein. Est-ce que j'ai joué ça? Oui, j'ai joué. La boîte de chef de Meeple est rigolote. Oui, j'aime beaucoup. Et il y a Yes aussi, je l'oublie, pardon. Je l'ai pas dit? Ah non, je l'ai pas dit. Yes. Est-ce le jeu et non pas le groupe de musique? Oui, c'est moi qui ai dit chez Blue Cocker, chez Welcome, j'ai pas dit ouais, chez Welcome. Alors, un 10 par cœur. Absolument que je n'éternue pas, sinon ça va être la cata. Donc je me mouche. Alors, j'ai pas mis le tirage. Pour faire des clips, Marina, il faut que tu cliques sur le gros sur l'écran de stream. Tu vois, tu as la petite roue pour les paramètres et à droite, tu peux cliquer pour faire des clips. Tu cliques là-dessus et après, il te guide sur comment faire. J'apprendrai.
Marrant de faire des clips, c'est créatif. J'aime bien les trucs créatifs. J'ai pas du tout compris de quoi vous parlez. Pourquoi vous parlez de clip là? Monsieur Marina a demandé comment on fait les clips. Les Ok. clips. Les tripes. En vue. Les clips. Les clips. Et je fais souvent des clips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pardon. Ah, ça m'ennuie, ça me va pas ça. Punaise. Bon, je vais mettre un 13, mais c'est pas le bis. Alors, 13 et 14 piscines et 15 parcs. Oui, ben c'est bon, hein, Marina, on est bien à 11 numéros, là. On va faire le 12e. J'ai dit chez Welcome, moi. D'accord. Bon, Oui, c'est l'angine, c'est pas grave. T'inquiète pas. je sais quand même bien pourtant Un l'entreprise pour 15. laquelle je travaille. Mais oui, ça doit être la Sur les fatigue, 15 parcs. l'angine, le tout. Non mais en fait c'est le Père Noël, il est passé par là, il t'a fait dire des trucs. C'est gentil de d'essayer de Normal. rattraper. Non mais je fais confiance, hein. Si j'ai dit ça, j'ai dit ça. Alors j'ai mis le 15 parc. Qu'est-ce que t'as mis toi? J'ai bien 15 parcs aussi. Moi j'ai un peu trop rempli. T'as pas peur de te sentir bloqué toi là? Il faut savoir que dans Welcome, les petits chiffres, les grandes extrémités sont plus rares que les moyennes Oui, mais extrémités là, du coup, au si t'as des niveau des gros chiffres numéros. au-dessus de 10, bah, tu pourras plus les mettre. Oui, bon, je mettrai sur la feuille d'à côté, je suis D'accord. optimiste. Alors, deux barrières, ça fait Ah, 5 parcs. Bah, là, ça va, évidemment. Tu vas pas être coincé tout de suite, mais. ah. Un 5 parcs. Marina répète, tu es optimiste. Ouais, c'est le maître mot, là. Ah, moi, en fait, il faut savoir que j'ai facilement tendance à la dépression, mais j'essaie quand même de combattre ça. J'essaie un maximum de combattre ça. Donc, il y a vraiment des fois où je peux être très très fatigué, très très fatigant et pas du tout optimiste. Il faut savoir que c'est ma petite phase de dépression. Et ensuite, hop, je ressursaute tel un kangourou et. Marina a peur de vous faire peur, les gens sur le chat, mais ils sont peut-être juste concentrés. Oui, à mon avis, il y en a parmi les gens à qui j'ai dit que je serais sur le stream ce soir, il y en a un certain nombre qui ne connaissent pas Twitch. Donc, du coup, ils doivent regarder sans compte. Donc, il y a sûrement des viewers de l'ombre et des viewers. Ah, tu vois, ils sont concentrés, la hélice. Alors, 14, dis-moi. Oui, je suis un canard castor. D'ailleurs. J'ai découvert un jeu comme Among Us où il y a. Mais sauf que ça avait des canards. En plus, c'est gratuit. Attends, j'ai pas suivi, je suis désolée, j'étais concentrée. En fait, Marina dit que je suis un canard castor. En fait, il faut savoir que je suis un canard. Je suis un canard. Un castor de jour et un canard de nuit. Ou c'est l'inverse. Le canard est mon identité secrète. Vous l'avez découvert. Il y a Bruce Wayne et Batman. Clark Kent et Superman, et ben voilà, ben moi je suis un canard déguisé en castor. Excellent. C'est pour ça que c'est deux emotes de bonjour, j'ai une emote canard et une emote Ok. castor. Est-ce que tu savais qu'il y avait une extension de Welcome avec des canards?
Ah non, bah je la veux du coup. Je t'enverrai le lien. Très bien. Beaucoup les galères. C'est une extension qui a été faite à la demande de d'une joueuse qui a tenté un truc. Et c'est la feuille coin coin. Ah, mais c'est drôle. Ah bah, Elle doit être trop bien. Je la veux dire. Je la veux Maria a pas direct, je l'air vais de rester. savoir non plus, je vais vous la mettre tout de suite. Alors. Elle est excellente en plus. Ah, Tchouk. forcément, il y a des canards dessus. C'est pas un truc privé, hein, Marina. C'est enfin, c'est une extension qui est disponible sur le site de Blue Cocker. Donc tout le monde peut y jouer. C'est juste que ça a été créé sous l'idée de quelqu'un qui a tenté un truc. Évidemment, ils ont bien précisé après que ce n'était qu'une fois et qu'ils ne recommenceraient pas à faire des choses à la demande. Mais ça a été fait et c'est trop bien. Je vous mets la règle. Et c'est quoi Ah les oui, la règles? règle. J'avoue que j'y ai joué Oh, une fois, je pense, pendant un live. C'est un tout petit peu loin, mais j'ai deux souvenirs. Il fallait, il fallait entourer les canards. Il y avait une histoire de, ouais, les canards sombres, les canards clairs. Là, je sais plus. Mais il faut regarder à nouveau la règle. On regardera ça après. Alors, 11 parcs, 11 et 5 IMO. Welcome tout coin C'est coin. ça. Eh bah, tu vois, Laïs, tu auras découvert un truc du coup. Non, c'est vraiment une extension sympa et bon. Et Alors, normalement, elle devrait on être va dans la un cinq. version collector de Welcome. C'est pour jouer aux toilettes, n'importe quoi. Alors, 5. Alors, j'ai pas joué ça, je crois. Je voulais dire un truc intelligent. Ah oui, il faut savoir aussi que j'ai créé un jeu. Enfin, j'ai créé un jeu. J'ai créé un jeu de société avec un ami. Qui s'appelle Représailles, qui est un jeu de deck building dans un univers médiéval fantastique. Et si jamais Blue Cocker serait intéressé par hasard de l'éditer ou de lire la règle. Du coup, tu serais preneur. Voilà, je fais une demande à l'eau. Bah écoute, ça c'est pas moi Tiens, au qui vais gérer, mais si passage. tu veux, je peux transmettre à Alain. Je te transmettrai Tout le à fait, je peux fichier. faire ça. Tu peux faire peut-être une petite présentation Ouais, avant. je ferai une petite vidéo. Et Marina, oui, la version collector, c'est pas la big box, du coup elle s'appellera pas comme ça, ça s'appellera la version collector. Avec donc toutes les feuilles qui sont déjà sorties et des nouvelles feuilles ajoutées. Donc toutes les extensions, comme par exemple la coin-coin, ça devrait se trouver dedans. Fait des coins-coins. Alors, la 16. Donc, on a un 5 IMO bélier, 7 parcs et un 4 barrières. Et on sait quand elle sortira la version Ce sera. collector. Il va falloir être patient, hein, c'est 2024. Ouais. Oh là. Fin Elle avait 2023, 24. 2024. Ah, 7 parcs. Ah, tu fais le 3, Ah, bravo bah. Marina. Ah oui, je pense pas du tout occupé, ouais. En plus, pour cette Oh, part contre un remarque. Ah bah non, je peux 4. pas moi. Non. J'étais pas loin, mais...
Pas du tout, en fait. La version Las Vegas, c'est pas du tout le même jeu. Il est beaucoup plus, enfin, je le trouve plus difficile, mais intéressant aussi. La version Las Vegas, qu'est-ce qu'elle a de différent? Bah, en fait, déjà, il n'y a pas que les lignes qui comptent, il y a aussi les colonnes. Et puis, le fonctionnement de base est vraiment très différent. Il y a plutôt les choses en commun qu'on peut te dire, si tu veux. Il faut écrire toujours les Les chiffres trois de jeux manière sont. croissante. Il y a toujours le système de la carte chiffre et la carte action à choisir. Que tu fasses, l'action est toujours facultative, etc. Mais l'univers est vraiment différent. Tu es dans une ville plutôt moderne, on va dire, et donc les colonnes représentent des avenues. Tu fais avancer un petit taxi. Tu vas essayer d'améliorer. Il y a quand même ce système d'amélioration. Et d'ailleurs, je me permets de relancer Adeline là-dessus. Lors de mon précédent de concours d'octobre, vous pouvez encore participer puisque j'ai eu des soucis d'Internet, je fais gagner un Welcome to Las Vegas édité par Blue Cocker lors de mon C'est petit très tour, sympa. de mon petit concours. Vous devriez participer. Moi, je trouve très bien ce jeu. Je l'aime beaucoup aussi. Donc, allez-y. Après ce live. Alors, toi, tu l'aimes parce qu'il y a des... il est bleu. Et les colonnes et plein de petites façons de score avec la limousine. J'ai dit le taxi, mais C'est oui, pas c'est le la bon limousine. Discord, Servelle. Le match est fini, le monde va débarquer. Fort bien. Et alors, qui a gagné? Théoriquement, des joueurs. Ah, je pense que c'est la France. Il y a des gens qui font péter des trucs dans la rue. J'entends des. J'ai pas joué menteur. Attends, je suis en train de chercher le. Le Discord Alors, continuons à jouer, elle. nous. Attends, j'ai pas joué Ah, mon bah alors! tour. C'était Oui. 5 immobiliers, 7 parcs et 4 barrières. Ah si, j'ai joué mon Je me tour. disais, ça Allez. fait longtemps! Oui, non. Alors. Alors, des 6 bis. Un 10. Oui, un 10. Bien ça, 10. Voilà, pas de problème, 10 immobiliers. Alors, des deux. Non, un 5. J'entends des feux d'artifice. Marina d'ici, elle a le droit de le dire. Bah oui, c'est le droit, on a le droit de parler de tout, hein. Moi, je m'en fous, hein, je vais être L'évolution des honnête, canards mais... dans un milieu hospitalier. Et moi, le foot ne m'intéresse guère. Maman Castor a fait du foot quand elle était jeune. Ah ouais? Et elle faisait de la compétition et tout. Maman Castor est très sportive et elle fait beaucoup de sport et elle me tanne pour que j'en fasse aussi. Moi, je suis très sportif aussi, mais sur ma chaise. Derrière mon écran, je suis très sportif, voilà. Avec ma souris, mon clavier, je fais bouger des petits joueurs sur des terrains. Voilà. C'est bien aussi. Mais en vrai, c'est bien de faire du sport. C'est pas une mauvaise idée. Non, je pense que je bouge quand même, parce que comme je disais, on habite en forêt, donc il y a quand même des trucs à faire, des trucs à faire dehors, donc j'en fais pas des kilotonnes non plus, parce que je suis fragile, mais je considère que je marche un peu et que je me lève de ma chaise très confortable de temps à autre. Sinon, je me fais taper dessus, mais néanmoins. Alors, je sais pas si t'as joué celui-là. Il y a un 7 bis, 7 barrières et 1 barrière. Non, il faut que je mette mon 1. Un là, et faire une barrière. Ah, bah, à bientôt, Lucicia. C'est sympa d'être passé en tout cas. Bonne fin de soirée. À bientôt, Lucille. Alors, barrière. Désolée Alors, pour cette, alors. ce passage où tu m'as Voilà. entendu tousser, me moucher, etc.
Tu veux un 10 piscine? Bah oui, moi aussi, je veux bien. 10, 11, 12, ça me va. T'as joué? Ouais, j'ai mis un Ok. barrière. Alors, 8 8. parcs, 7 et 3 immobiliers. 8 parcs en rue. C'est marrant, on joue. Je regarde le tennis de temps à autre. J'aime bien Roland-Garros. C'est des souvenirs de gamin. Quand j'étais petit, on allait souvent au tennis avec ma mère et ma sœur. Avant, on habitait Paris et tous les dimanches, on sortait prendre l'air en forêt ou dans l'extérieur de Paris pour être un peu dans la nature. Et on allait souvent au tennis. Je n'ai jamais joué en compétition ou quoi, mais c'est vrai que j'aime bien le tennis. Donc, du coup, j'aime bien regarder C'est Roland-Garros. marrant, ça m'a toujours semblé trop physique. J'ai jamais compris, moi, genre, je recevais une balle, mon bras, il partait, quoi. J'avais zéro force dans le bras, je pense. Et du coup, j'avais pas du tout de retenue. Ah, c'est une autre sorte de tennis, esquiver la balle. Alors, j'ai pas dit, là, le tirage, Alors, 7 et cette 6 barrières et barrière. 9 bis. Vais prendre un cette barrière et je vais finir le premier À moi aussi. objectif. En même temps que toi. Donc nous marquons 8 points. C'est fait. Alors, personne d'autre? Ok. Alors, 4 immobiliers, 3 travaux et 15 bis. Quatre immobiliers, c'est même peut-être trois travaux. Bon, qui va, il peut aller là. Ouais, il peut aller là en fait. Je vais mettre Quatre, viens. Est-ce que je peux mettre mon Discord et mes liens sur le Ah chat? oui, vas-y. N'hésitez pas à aller faire un tour hein, sur la chaîne de Castor Mutant. Castor tout court, mais Castor Mutant. Et puis de toute façon, après, on va en parler aussi quand on aura fini de jouer. T'as joué? Oui, j'ai fait un 3 immobilier pour en faire un 3 immobilier. Un 3 travaux, tu veux dire? Ouais, un 3 Intérimaire, travaux, ok. tout à fait. C'est toujours bien les travaux. Alors, on a un 3 travaux encore. Un 1 barrière et 13 immo. Ah bah je vais mettre le 1. Ce sera un 1 et ce sera un 5, 1, 2, 3, 4. Bon. Oui, j'ai pas noirci. C'est toujours un petit peu compliqué ici. Oui, parce que quand tu cliques au-dessus, il sélectionne les Ouais, piscines. je vais laisser comme ça. Hop. Alors, comment ça s'est passé le stream de la semaine dernière? Est-ce que le débat a été de savoir s'il y avait trop de jeux ou pas? Alors, le but du débat n'était pas d'apporter une réponse. Le Ah. but était de débattre.
Et effectivement, il n'y a pas eu de réponse. Ça a été très intéressant. Le débat a duré fort longtemps. Et nous y avons mis fin parce que c'était très tard. Mais À 3 h du matin, tout le monde était encore en on train de aurait pu, débattre. franchement, hein, mais il était quand même déjà 23h30, 45, un truc comme ça. Donc on a arrêté. Non, 20, ah non, 23h30, je pense, il devait être. Mais c'était vraiment très très intéressant. Ah, un 6 piscine. Et au Enfin, mois de 6 heures, non. janvier, le premier mercredi de janvier, on parlera de la communication autour d'un jeu. Ah. Avec plein d'invités aussi. Ça va être trop bien. Et oui, Marina, le replay, de toute façon, il est sur YouTube, hein, donc il s'efface pas. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien après si vous voulez. Allez voir le replay, c'était vraiment assez cool de mon point de vue. En plus, il y avait du monde. Donc c'était vraiment bien. Il y avait plein de questions. Il y a trop de jeux dans les armoires de Serval Wolverine. Mais non, c'est un détail. Ça dépend du point de vue. Alors, 14 bis, 8 barrières et 12 immo. Qu'est-ce que je fais moi? Du coup, t'avais pas regardé le live Castor. J'avais regardé un petit bout de live, mais j'avais un truc prévu mercredi. En fait, je devais jouer avec une copine Twitch et ça ne s'est pas fait. Et du coup, on m'a proposé une soirée à Among Us et du coup, ça finit comme ça. Je comprends. Bravo à Marina qui fait Il faut. la mission numéro 2. Tu prends le meilleur score pour les Alors. 2 et 3, je crois, hein. Et ben moi je vais prendre un refus de Eh ben permis. voilà. Ah non, je peux mettre mon 12. Allez, je peux Ah. mettre mon 12, tout va bien. Ah, tout va bien. Mais tu vois ce qui va arriver, hein? Mais non. Tout va très bien, madame la marchande. Attends, je sais plus si j'ai joué. Si, j'ai fait le 12 immobilier. Si, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, il n'y a pas trop de jeux, il n'y a juste pas assez de temps, c'est ça. Et Marina est comme toi, elle a les grands nombres remplis. Donc, c'est vous qui allez faire précipiter la fin de partie. Alors, 5 immo, 7 barrières Non, mais moi je veux cette et 11 piscine. parcs. Et piscine. Plus de Encore des piscine. piscines. 11 parcs. Pas au top. Bon, ben, cette barrière. Moi aussi, ça sera 7. Alors. Ah oui, c'est trop bien, Wilton. Est-ce que tu joues souvent sur BGA? Ah, tu m'as peut-être pas entendu. Je te demandais si tu jouais souvent sur BGA. C'est à Oui, moi que tu à poses toi. la question. Il Oui, y a parce qu'à que je joue toi à qui je beaucoup à parle. BGA. Oui, non, mais je sais pas, il y a des gens dans ma tête, il y a des gens partout. M'envoie des messages et tout, parce que. Donc, est-ce que tu joues souvent à Welcome sur BGA? Oui, je joue souvent sur BGM, mais en fait, il faut savoir que tous les dimanches, bon là c'est Noël,
Mais ça marche pas. Je joue avec mon meilleur ami et ses colocs, enfin ses anciens colocs, et on fait une après-midi de 14h à 19h, tous les dimanches, et sur BGA. Et aussi le dimanche soir, je joue avec mes copains, mon meilleur ami et mes meilleurs amis, pour le coup. Et parce que, il faut savoir qu'il y en a un Nantais, un qui est à Palaiseau. Et donc, on ne se voit Ah pas oui. souvent. Donc, du coup, le dimanche soir, souvent vers 20h30, 21h, on se fait une soirée jeu. Et comme on est adepte de gros jeux bien velus, ben, on fait souvent un jeu de 20h à minuit. Sur BGA, du coup. Sur BGA, ouais, on est adepte de choses comme Through the Ages, Great Western Trail, Maracaibo. Que je ne connais pas. C'est des jeux où il y a 1 heure d'explication de règles et des parties de 3 heures. C'est long, profond et joyeux. Alors, en fait, il faut savoir que j'ai un tout petit souci. Alors, j'ai pas joué le sourcil. Oui. Alors, je joue le sourcil. Et ensuite, je raconte mon tout petit souci. Un 8, non, un 1. On dit adieu à cette piscine. Bon, elle va arriver. Un 4, alors. Un 4 qui va être un 6. Oui, donc je disais, c'est un tout petit souci, c'est que moi, je suis un joueur, ce que j'appelle extensible. J'aime pratiquement tout type de jeu. Il n'y a aucun moment dans ma vie où je n'ai pas joué. Et donc j'aime les jeux traditionnels, comme les jeux familiaux, comme les jeux experts, j'aime vraiment tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas de tout le Oui, c'est monde. vrai. C'est pour ça que je suis dans 3 assauts de jeux de société pour trouver mon bonheur dans chaque catégorie. Donc quand il y a Benjamin qui vient, qui est mon meilleur ami de Nantes, il vient, bah, du coup on joue souvent à des jeux de coop ou à des moyens gros jeux qu'on fait ensemble. Quand il y a mon copain de Palaiseau qui vient, lui, il aime pratiquement que les jeux experts. Donc, on fait surtout des jeux experts. Quand il y a un tel qui vient, mes copines, mes amis dans l'assaut où je suis à Dreux, eux, ils préfèrent les jeux légers et faciles et pas trop longs. Donc, du coup, voilà, c'est un peu. Je n'ai pas une personne bourgeoise et tout. Il faut à chaque fois que je me saccade en morceaux. C'est pas C'est évident ça. compliqué. Donc Alors, est-ce que tu as joué ce tour-ci? 6 et 9 barrières et 5 non. parcs. Je vais prendre un 6 barrière. Et du coup, je vais valider l'objectif numéro Ok. 2. Ah oui, Marina a bientôt fait le 1 apparemment, donc c'est bientôt fini. Vas-y. Oui, moi je suis. Allez. Allez. Mais non, entoure. En tour, bon, ça marche pas. Je suis à la traîne, hein. Non, Comment j'ai fait? J'ai fait 5, 2. Il m'en manque 1 à 2. Là, j'ai celui à 6. 2, 1. Vas-y, bah t'as été efficace quand même, hein, Marina. mais. Et donc, bah, disons, du coup, pour répondre à la question, oui, je joue souvent sur BGA, et puis des fois, je joue tout seul aussi, genre quand. Quand Seasoal Ten Paper est sorti, pour le coup, j'ai dû faire 50 parties en une semaine, tellement j'adore le Il est jeu. trop bien. Et je l'ai même à la maison. Alors, voilà, information. Moi, je sleeve mes jeux. Donc, quand vous achetez des jeux de cartes, surtout qui rentrent dans des mini-boîtes comme ça, comme je présente ici, à la place, postez vos cartes pour les préserver et achetez des boîtes Ultimate Guard. Je fais la promotion. Et comme ça, vous pouvez protéger vos cartes. Ça vaut aussi pour les cartes de welcome, pour éviter de les user à force de mélanger. Protégez vos cartes, mettez-les dans des petites boîtes particulières pour protéger vos jeux. Au lieu de mettre les sleeves. Non, Ah oui, en plus, d'accord. je mets dans les sleeves et en plus, je range dans des petites boîtes. Eh ben. Ultra protection. J'ai pas joué. Ah bah moi non plus je peux pas jouer, dis Et donc. je ne peux pas jouer, c'est le Moi refus de aussi. permis. Ah ouais, on est tous au même à la même enseigne là. Bon bah on continue. 3 bis, 7 Ah, IMO et 3 ça manque de parcs. piscine. Ça, je voulais faire.
Un 3 par canard. Ah, j'aimerais bien avoir un 15, moi, quand même, pour faire mon lotissement à 6, là, qui sert pas à rien. Oh là là, deuxième refus, la hélice. Oh, et Marina a fini. Ah, Marina est Là trop forte, ça fait on là! jouait des jeux ensemble et elle gagne. C'est... Ah, je suis frustrée. J'ai même pas eu le temps de faire l'objectif 2, quoi. Bon, bah, canton. Combien avez-vous d'intérimaires chez vous? Deux. Moi, aucun. Donc, je verrai zéro, je pense. Elle s'est gourée. Elle s'est Ah. trompée. Ah, bon bah voilà. On a le droit de continuer. Allez, 11 travaux, 4 piscines. Oui, une En plus, piscine. tu peux la La fameuse mettre. quatre piscines. Allez, c'est facile. C'est facile ce jeu. Alors, attends, 30. Donc maintenant, il me faut un 7 piscines, un 5 piscines ou un 1 piscine, un ou deux. Bon, comme ça, j'aurais fini toutes les piscines. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Bon, le 4, hein. Toute façon, j'ai pas trop le choix. 4 piscines. Ah, j'ai pas fait mon lotissement à 1, du coup. Crotte de pique. On pourrait faire une variation du jeu et au lieu de mettre des piscines, mettre des jacuzzis, des saunas et des Ouais, ce hammams. serait rigolo. Une piscine ou autre et j'ai fini. Ok. Bah, c'est 4 chiffres qu'il te faut du coup, plutôt. 11 piscines. Je vais Non! pouvoir le mettre. C'est le refus de permis. Alors. 14 et 11 IMO. Et 11 piscines. Du coup, est-ce que je valide celui à 5? Oui. Donc, je fais l'objectif 2 quand même, avec 6 points. Je voudrais un 7 piscine Deuxième refus pour Marina, c'est ou en pas dessous. fini. Il y a 36 points à mettre. Alors, Ah, 10, un 7. 7 Bon, bah, un IMO 7 et alors. 12 Tant pis pour la barrières. 7 piscine. Allez, 5 piscines ou 1 ou Attends, 2 je sais pas si piscines. ça joue encore là. Hein. Moi, je peux mettre le 10. Ah non, ils vont avoir des refus. Alors, elle a mis le 7, Marina. De toute façon, moi, j'ai plus que deux cases, donc c'est fini hein, bientôt. Comment ça se fait que t'en as encore 4? Ah oui, t'as deux refus. Ah bah oui. Ben, Bah non. ben, c'est de refus Moi, de j'en ai un. permis. Je ne sais pas. C'est bizarre. Vous avez combien de cases de vide chez vous? Ceux qui n'ont pas fait de bis? Y a toujours un petit temps de décalage, forcément, donc j'attends un tout petit peu, mais. Trois cases avec deux refus. Bon, Ah, j'ai il dû te me gourer manque une, quelque part zut. alors. Bah non, Castor, il en a quatre. Non, ouais, j'ai dû me gourer quelque part. Bon, tant pis. On refera pas le match. Ah, je vais pas pouvoir là. Non, pas.
Ah, quoi que, un 6, bravo. Ça devient un 4. Du coup, je peux gagner peut-être la majorité. Du coup, ça devient un 4. Moi, je peux pas. Ah, ça y est, elle a fait le plan. Donc c'est fini. Fait trois plans. Bon, j'aurais quand même été un tout petit peu plus loin. Alors, comptons cette fois-ci. Combien avez-vous de travaux? Trois. Alors, chez les gens, on va voir ce que ça donne. Chez moi, il n'y a rien de toute façon. Un seul chez Marina. Laëlys, un aussi. Donc, tu marques 7 points. Je crois qu'il n'y a pas d'autres gens qui jouent. Hey. Moi, je marque pas un point, je pense. Hein. Comme j'en ai pas, c'est zéro. Et puis après, bah, on compte le nombre de lotissements qu'on a de chaque taille de remplis. Et vous avez quatre Marina Ouais, et la 4 points Lélice. pour vous. Pas fait beaucoup de barrières. J'étais occupé à faire des piscines et des jardins. Je crois que j'ai tout compté. Enfin, 94, petit score. D'habitude, je dépasse les Ouais, 100 et c'est vrai, là. moi aussi. 126 pour Marina. La hélice. Alors, suspense, est-ce Marina qui va gagner? 113, et non. Bravo, la Et hélice. non. Chapeau, hein. Félicitations. Ouais. Très, très bien. L'idéal, ce serait presque de mettre une photo de votre feuille dans le Discord, par exemple. Est-ce que je peux vous envoyer ça? Oh, c'est pas grave sinon. Juste 126, c'est bien. T'en reviens pas, bah écoute. Alors sur quoi tu expliques-nous sur quoi t'as le plus de points. Peut-être que t'as pas de refus de permis ou t'as maximisé les lotissements. Oula, ce truc qui tombe chez moi. C'est les esprits qui passent par là. Bah en tout cas, on est vraiment serrés nous deux, hein? Félicitations à tout le monde. C'est vraiment Ouais, très c'est. proche. Moi, j'avais l'impression que tu te bloquais vachement avec tes chiffres à droite, mais finalement, pas tant que ça, hein. Non, bah là, c'est juste que j'ai joué beaucoup de. À 32 parcs, ah ouais, c'est bien. Ça, c'est vrai que ça rapporte, hein. Ouais, c'est le max. C'est le max par le max. Alors, t'as mis sur le salon Welcome to, j'y vais. Je vais voir cela. Je suis intrigué par la feuille avec les canards maintenant. Ah, j'ai une mise à jour de Discord. Il va falloir être attentif. Bah les canards, on peut regarder vite fait si vous voulez, hein. Les canards. Je vais relire les règles vite fait, ça va vite me parler parce que je les aimais vraiment beaucoup. Alors, il y a les canards qui se baladent. Il y a les canards jaunes et les canards sombres. De mémoire, je crois qu'il fallait écrire les chiffres pour ramasser les canards successivement. Ça veut pas dire grand-chose ce que j'ai dit. Donc je vais aller voir les règles. Allez. Pourquoi ça veut pas? Alors,
Ah oui, c'est ça. C'est toujours bien les canards. En fait, il faut savoir que quand il y a très longtemps en arrière, j'ai dû aller voir un psychiatre quand j'étais gamin. Et en fait, le dit psychiatre, c'est toujours mon psy actuel, même si j'y vais beaucoup moins souvent, m'a demandé, en fait, m'a dit pourquoi j'étais stressé. J'étais un peu stressé, en fait, je suis un peu d'anxiété. Et en fait, je lui explique la raison et il m'a dit, bah, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu imites un animal. Alors, qu'est-ce que tu aimes comme animal? Après, je lui dis, j'adore les canards. Alors, du coup, il me dit, bah, voilà, ce qu'on va faire, c'est pourquoi tu imites les canards? Bah, je lui dis, bah, j'adore Picsou. Je lis Picsou et j'aime bien Picsou, Donald, Riri, Fifi et Loulou et les canards. Bon, du coup, il m'a dit, oh, ce que tu vas faire, c'est tu vas imiter un canard. Tu vas faire coin coin, tu vas battre les ailes et tu vas aller voir les canards au parc. Et tu sais pourquoi tu vas faire ça? Parce que les canards, vois-tu, ils nagent, ils marchent, ils courent, ils volent, ils sont potes avec les autres canards, et au pire des cas, tu peux les bouffer. Voilà, maintenant, c'est resté, je suis devenu un canard. Je fais coin coin et je. Par contre, j'ai arrêté de battre des ailes, parce que ça, j'ai l'air con à faire ça. Mais je fais coin coin. C'est quand même très drôle que ça vienne de là. Donc, depuis plus de 12 ans, je suis devenu un canard. Alors attendez, j'essaye de vous mettre les feuilles que vous m'avez mises. Tchouk. J'enlève tout ça. Alors. Ouh là là, c'est grand. Ça vient, ça vient. Alors juste pour meubler, T'es en train de en fait, modifier. je vais afficher les feuilles de score de Marina et de Laëlys. Comme ça, on va voir notre gagnante. Ah oui, c'est vrai, c'est une appli. Et donc pour l'extension des coin-coin, il faut ramasser. En fait, il faut ramener les canetons à leur maman. Ah. Et pour les ramener à leur maman, il faut encadrer le canard, enfin le caneton, de deux chiffres, tout simplement. En fait. Ah, pourquoi j'arrive pas? Il faut que j'ouvre les. C'est un tout petit peu long parce que du coup, il faut que je les enregistre une par une. Et je peux pas le faire à partir de Discord directement. Il faut ouvrir l'original. Non? J'arrive. Ça vient. Peut-être que c'était pas une très bonne idée de faire ça parce que du coup, ça prend un peu de temps. Mais maintenant que je me suis lancée, c'est parti. Hop. Donc voilà pour les coin-coins. Si vous avez jamais essayé, eh ben, ça sera l'occasion, peut-être avec, on peut éventuellement. Je sais, je crois que c'est possible d'y jouer avec TTS. Donc éventuellement, on pourrait faire un live coin-coin si ça vous tente. Mais je vais pas m'avancer à 100% parce que je suis pas sûre. Quel honneur si je mets vos feuilles. Ah bah écoute, si en plus ça vous fait plaisir, c'est vrai que j'ai même pas demandé. Laëlys, est-ce que tu es d'accord? Ah, je me trompe de feuilles en plus. Ah, c'est pas ça. Toujours pas. C'est ça. Oh, ça fait pas trop moche en plus. Voilà.
C'est Quand bien je ça, ça n'entends ressemble. plus, attends. Ah, c'est toujours pas cette laine-là. Désolée, ça y est, on nous entend, mais j'avais pas réalisé que on nous entendait plus du coup. Pardon, pardon. C'est bon là. Oui, voilà. C'est juste que du coup, j'avais tout enlevé. J'avais préparé une nouvelle scène avec vos feuilles, mais du coup, j'ai pas remis nos têtes, pensant qu'on nous entendrait quand même, mais c'est bon. Donc je disais tada, hein. Voilà, Tadam! tadam! Donc la feuille de la hélice à droite et la feuille de Marina à gauche. Et du coup, eh ben, on voit que t'as plutôt bien maximisé ta feuille. Malgré les refus de permis, t'en as deux, mais c'est pas grand-chose finalement. Et en fait, c'est vrai que nous, on avait beaucoup plus de points, je pense, avec nos lotissements. Quoique, t'as fait 6 à 2. Ouais, je sais pas, je peux remettre vite fait la nôtre. Sur la nôtre, on avait. Alors attends. On avait 24, 12. Si je mets plus ton logo, c'est pas cool. Alors, toi, t'avais 24 et 7, 31. Et moi j'avais 24, 12, 6. 36, 42 points quand même. C'est marrant, hein. C'est vrai que moi j'ai beaucoup plus de points, tu vois, par exemple, c'est le lotissement et c'est les parcs qui font tout en fait. Moi j'ai 20 points sur les parcs. Ouais. Ah, c'est 32 points les parcs. Ouais, c'est ça. 26 avec l'émission pour Marina, ouais. Je reviens sur vos feuilles. Enfin bref, j'aime bien analyser un petit peu, voir comment il fallait jouer pour faire au mieux tout ça, mais bon. En tout cas, bravo, mesdames. Vous nous avez bien battus. Et vous avez moins investi sur les piscines, c'est vrai. Il faut faire un peu de tout, de toute façon, mais. C'est vrai que t'as pas tous les parcs non plus. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as fait un peu tout en fait, hein. C'est ça le truc, je pense. Mais t'as quand même ouais, 24, 34, 40, 49. T'as 7 points de plus que moi, par exemple, sur les lotissements. Bon, bref. Bravo à toutes les deux. Donc du coup, on va pouvoir passer au moment papotage. Avec Castor, mutant. Ouais, je suis là. Et tu vas pouvoir nous expliquer un peu. Ben, tu nous as déjà expliqué, plutôt même très bien, eh ben, comment t'en es arrivé là. Et puis, mais par contre, peut-être on n'a pas donné tous les détails de ce que tu fais, surtout au quotidien. En fait, là, toi, c'est ton activité, en fait, quotidienne, le stream. Oui, mais en fait. Ah, il y a de l'écho Ah. apparemment. Écho, écho, petit pas, C'est petit mieux pas. peut-être. Pardon, Et pas encore comme une fois, écho. oui, je sais pas ce que j'ai fabriqué. En fait, moi je joue quotidiennement toute la journée depuis que j'ai 3 ans globalement. Et c'est juste que le truc, c'est que. En fait, en très rapidement d'historique, je suis travailleur handicapé, donc je touche l'aide à l'adulte handicapé là. Et j'ai quand même fait des quelques petits diplômes à mon actif, mais j'ai jamais réussi à trouver un travail qui soit adapté à mon handicap. Et donc du coup, j'ai décidé de un beau jour, je me suis dit bah tiens, je vais appeler le Festival de Cannes et je vais leur demander si je peux avoir un badge professionnel. Non pas en tant qu'auteur, mais en tant que bah moi, puisque je fais énormément de trucs dans le monde du jeu. Enfin, je fais énormément de trucs. Je suis sur tous les lives de jeux de société, j'essaie de faire de la promo un peu pour les gens. Je suis sur les lives de Pénélope, de Barrick, de la cafetière,
Explique-moi ça, de Willow et Oli, enfin tous ceux qui, un maximum de gens, j'essaie de suivre un maximum de gens et d'aider les gens en faisant de la pub et en parlant autour de moi. C'est très sympa. Et du coup, j'ai fait aussi, je suis aussi le modérateur de Marie Grandjeu, Marie Giordana, qui fait partie du jury de l'Alstor. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que même si un petit pas et un petit pas et un petit pas, et le fait que j'ai essayé de faire mon jeu et que j'ai essayé de faire plein de choses, ça suffirait pour justifier d'un badge professionnel. Donc j'ai appelé Cannes, je leur ai expliqué ma situation et ils m'ont dit oui. Donc du coup, à partir de ce moment-là, et du fait que Pénélope m'a encouragé un certain nombre de fois pour que je monte mon truc, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de monter mon truc. Et on a décidé. Enfin, je dis on, mais j'ai décidé, avec le soutien de Maman Caster, de monter mon auto-entreprise qui s'appelle le Caster Club. Caster Trop bien, Club. j'adore. Voilà. Et du coup, voilà, donc maintenant je stream officiellement et sérieusement depuis le 15 septembre, sauf là depuis décembre où je ne peux pas streamer parce que j'ai des problèmes d'Internet. Mais globalement, les soirées fixes, c'est le mardi à 21h, qui est un peu ce que j'appelle le Castor Club, qui est mon actualité ludique, où je raconte un peu tous les jeux de société que j'ai testés, les jeux de rôle, les jeux vidéo, tout ce que je fais, le gros bilan de la semaine. En fait, je parle pas trop j'essaie de pas faire ce que font les autres. C'est-à-dire que. Je laisse Pénélope faire ce qu'elle sait très bien faire, c'est-à-dire de faire les chroniques sur les jeux, les nouveautés. Moi, je me sens pas de faire ça pour l'instant parce que je me sens pas de faire ça pour le moment. Même si j'ai une scène qui est créée avec une caméra et tout le bordel pour pouvoir filmer du jeu de société en live, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Enfin, je m'en sens pas encore. Mais est-ce que c'est un truc que tu voudrais faire? Mais ça sera fait, ouais. Ça sera fait. En fait, j'aimerais bien jouer avec Maman Castor et puis avec ma famille. Ceux qui acceptent de jouer avec moi, parce que, en fait, encore jouer avec quelqu'un, c'est une chose. Mais jouer avec quelqu'un devant une caméra, pour certains, l'exercice est Bah, ça difficile. dépend si on voit les visages. C'est ça, ben, en fait, ben oui, mais il faut voir le plateau Oui, de jeu au moins. mais. Donc, du coup, il y a oui, mais des fois, il y a certaines personnes. Une amie qui veut pas paraître sur Internet, j'en ai une autre qui veut pas, qui a du mal à s'exprimer devant une caméra, même si elle est éteinte, parce que c'est difficile de tenir un discours cohérent tout le long sans différer, parce qu'il faut bon, faire un peu attention à ce qu'on Oui. dit, quoi. Donc, moi, je m'adapterai à ceux qui veulent jouer avec moi pour faire des parties, mais ce sera fait. Et donc mais en fait, mon cœur de cible, enfin mon cœur, ma personnalité veut que moi, j'aime fédérer les gens. Donc vraiment, voilà, j'aime dire, ben voilà, moi j'ai joué à tel jeu, je pense que ça te plairait parce que je connais tes goûts, parce que toi t'aimes tel jeu, alors peut-être que ça te plairait. Et c'est aussi pour ça que le vendredi à 21h, je fais une soirée jeu avec la communauté. Bon, moi, c'est très important, encore une fois, de fédérer. Et tous ceux qui veulent jouer avec moi, ou parce que je vois pas s'ils partagent mes goûts, mon opinion, parce que la bannière du castor, ou parce qu'ils ont envie de passer une bonne soirée, bah, du coup, ils viennent le vendredi à 21h et on fait des jeux sur BGA, chacun ramène un peu son univers. Et tout le monde essaye un peu. Alors, il est arrivé qu'il y a eu des débordements, parce C'est-à-dire? que. Bah, il y a eu quelqu'un, bon, je ne vais pas rentrer Oui. dans le détail, mais il y a eu quelqu'un qui est devenu un peu agressif à un OK. moment. Donc on l'a gentiment demandé de partir. Mais j'essaye quand même d'inclure les viewers, que ce soit les viewers que je connaisse personnellement, que les viewers que je connaisse et que je côtoie sur mes streams, que les nouveaux, si jamais quelqu'un vient sur le stream et dit « Est-ce que je peux jouer avec vous ?» Dans ce cas-là, j'essaye de l'inclure. On fera ça le temps qu'il n'y a pas trop de problèmes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez. J'aime bien, j'ai quand même besoin d'une sensation de contrôle sur mes lives.
Et dans ma vie, j'aime bien contrôler les choses. Mais alors, comment tu fais quand J'aime tu bien fais des que. lives sur BGA? Parce que les gens voient quoi? Ils voient ta feuille. Enfin, ton. Bah, les gens voient ma feuille, voilà, et puis bah, moi, je. J'ai une scène qui, où t'as tout mon écran BGA, et puis en même temps, bah, je papote avec le chat, et sur, dans le titre, je marque que si jamais ils veulent venir, ils peuvent. Ok, mais toi tu es tout seul vocal, enfin oralement on n'entend que toi. Ah non, tout le monde, ceux qui veulent venir sur Discord, ils viennent Ok. sur Discord. Et on discute sur Discord, on discute de choses et d'autres. Et moi, j'invite les gens à venir sur Discord et à discuter. Et en fait, alors, disons que sur. En règle générale, il paraît que c'est pas très bien de jouer avec les viewers qu'on ne connaît pas parce que ça peut amener des problèmes, ça c'est déjà vu. Moi, je vais essayer d'inclure un maximum de personnes le temps que je peux. Et si jamais il y a des débordements, ce que je ferai, c'est que je demanderai un certain nombre de points de chaîne, histoire que je ne sois pas le premier venu qui vient, mais quelqu'un qui est passé au moins une demi-heure sur le stream. Enfin, que ça. Voilà. Mais bon, je divague. Non, non. Mais voilà, le but, voilà, c'est vraiment servir la communauté. C'est-à-dire que pour moi, l'important du jeu de société, du jeu vidéo, de n'importe quoi, c'est vraiment de regrouper les gens et de faire que chacun qui ont une passion se regroupe et se retrouve et qu'on essaye de joindre les gens. Toi, t'aimes jouer à ça et t'aimes jouer à ça. Donc, du coup, les deux, hop, on les regroupe et on les met ensemble. Et c'est pour ça que mon rêve dans les années futures et lointains, ce serait de réussir à créer un festival de jeux de société permanent en France où tout le monde se regroupe, où il y ait un stand pour les éditeurs, un stand pour les auteurs, un stand pour Massin, un stand pour les. Et quand les visiteurs qui veulent viennent pour jouer à des jeux de société, ils aiment jouer à ça, à ça et à ça, on les guide. C'est comme Disneyland, mais pour des jeux de société. Voilà, ça c'est le rêve de ma vie. Ce serait de réussir à faire ça. Mais bon, pour l'instant, je construis des Ah bah c'est fondations. déjà l'essentiel, hein, attends. Là, du coup, Donc. comment ça se passe quand tu dis que tu essayes des nouveaux jeux, est-ce que tu en reçois par les éditeurs ou tu... Alors, je ne reçois pas de jeux d'éditeurs parce que, apparemment, pour le moment, je ne suis pas assez connu et je n'ai pas Oh, assez de c'est follow. vrai, il y a un nombre, ils te disent il faudrait avoir tel nombre. Alors, j'ai envoyé bon, peut-être j'ai envoyé mon premier mail à un éditeur. Bon, peut-être pas de la façon la plus claire et nette possible. Je me souviens, c'était Gigamic pour avoir le jeu Wizard et on m'a dit que j'avais pas assez de follow. On m'a dit, je suis en contact avec plusieurs Instagrammeuses sur Instagram, qui m'ont dit, attends un peu d'avoir au moins 1000 follow avant de demander à des éditeurs des Oh, jeux, mais non. parce que sinon, parce que les gens, ils préfèrent avoir une mass communication plutôt que d'aller vers les petits streamers. OK. Donc pour le moment, bah, j'achète mes jeux et j'en parle après les avoir essayés. Et Donc je tu faisais un les budget empruntes jeu. jeu. Jamais en ludothèque, par exemple, ou non? Non, j'achète. En fait, c'est un partenariat avec une boutique qui s'appelle Les Jeux du Milieu, qui se situe à Houdan, dans le Ok. 78. Et donc j'ai une réduction là-bas, je fais de la pub pour le monsieur et il me fait de la pub. Et c'est aussi mon côté influenceur qui fait ça, qui est en train de se créer. C'est que je vais essayer d'avoir un maximum de partenariats avec les boutiques pour les aider. Parce que je trouve que moi je suis très à l'aise avec Internet et tout ça, parce que je suis de la génération Internet. Mais il y a plein de gens qui ont des boutiques, des bars à jeux, ou même des ludothèques qui sont pas à l'aise avec Internet et du coup moi j'essaye d'augmenter leur visibilité via mes streams et ma page Insta et tout ça.
Donc voilà, je Et du dis. coup, les ludothèques, tu les fréquentes pas forcément. J'ai pas tenté. J'en ai pas dans Ouais. mon coin. Et faudra, je prospecte. Donc pourquoi pas ouvert sur les ludothèques. Moi, je suis ouvert à Ouais. tout, de toute façon. J'ai donné ma carte de visite à l'hôtesse de caisse à Thierry ce matin, au magasin Thierry. M'a dit, ah tiens, je lui ai demandé, alors vous aimez les jeux de société? Et dans la conversation, elle me dit, non, moi j'aime les jeux vidéo. Ah, bah, vous savez, je suis influenceur en jeux vidéo. Venez, je vous donne ma carte. Excellent. Ah non, mais j'ai le contact facile, moi, je discute avec tout le monde. Mais en fait, ce qui est en fait vraiment difficile dans ce que je fais, enfin, ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est que. J'ai toujours peur de ne pas en faire assez et j'ai toujours peur que ce que je fais, c'est mal fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours peur aussi qu'on ne me respecte pas, quoi, parce que je suis handicapé, je suis autiste, je cumule plein de trucs. Et c'est vrai que des fois, il y a des commentaires de personnes dans le milieu sur le Discord ou sur les streams qui me font un peu mal parce que. En fait, comme je comprends pas le second degré, des fois je prends des trucs Ah oui. pour moi alors qu'il et du coup c'est vrai que moi j'aimerais bien faire partie du groupe quoi, j'aimerais bien essayer faire des trucs avec tout le monde et tout ça. Donc moi je suis quelqu'un de franc et honnête, donc je donne toujours mon opinion et je dis toujours ce que je pense. Alors dès maintenant. Marina pourra témoigner, je le fais avec nuance et précipité. En tout cas, j'essaye avec nuance. Mais c'est vrai que voilà, des fois, quand on me dit que j'ai des goûts de merde parce que je pense ça ou Oui. ça, les 5 premières fois, je trouve ça rigolo. Mais après, c'est. En fait, voilà, donc du coup, j'aimerais. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez taquin avec les gens que j'aime bien, donc je me permets de taquiner Ludovic Maublanc, par exemple, ou les gens de la cafetière, ou sur des streams, je me permets de taquiner un peu Pénélope et tout ça, mais c'est jamais méchant, quoi. Bah, c'est pas la même chose, les critiques que t'as reçues là. Non, mais c'est juste C'est que. ce qu'a dit, elle dit, c'est ce qu'a dit Marina. En fait, toi, tu taquines, mais tu dis pas que c'est de la merde, quoi. Tu dis pas ça aux gens. Oui, elle ne le dit pas de cette façon. J'essaye de faire attention à ce que je dis maintenant. Enfin bon, voilà. Et donc du coup, ouais, voilà, j'aimerais bien un peu plus de. Je serais content. Je pense qu'une fois Cannes sera passé, on verra que je suis là et que quand même je peux marquer de ma patte. Et je peux servir. Enfin, vraiment. Je passerai un petit peu moins pour un touriste dans le milieu du jeu et du coup, Ah, j'avais pas compris, ce du coup, sera cool, pardon, quoi. Marina reprend ce que je disais. Toi, tu le dis, ça, mais ils t'apprennent Non, à mais te. j'essaye de pas le faire. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que moi, je dis franchement ce que je dis, mais il faut que j'apprenne avec des nu faut que je Ah dise oui, des d'accord. nuances. Et les nuances, c'est un peu compliqué. Mais des fois, par exemple, on me fait des remarques aussi parce que. On me fait des remarques vives parce que, par exemple, moi, j'aime pas Ouais. Carcassonne. Voilà, tout le monde aime Carcassonne, moi, c'est pas mon truc. Et c'est vrai que des fois, ça peut être. Et bonsoir, Greta. Du coup, on me rentre dedans, mais c'est juste que c'est pas de la façon. Pardon, on t'a coupé du coup. Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre le second degré et j'ai beaucoup de mal à comprendre les choses qui sont pas implicites. Donc c'est pour ça que il faut me mettre Mais du coup, toi, c'est pareil quand tu des t'exprimes, en formes fait. et des nuances. C'est ça. Donc Voilà, moi sur un autre sujet, j'aimerais voilà. bien savoir si tu as un jeu du moment, un jeu que tu préfères en ce moment. Coucou Brenda. J'adore Sea Salt and Pepper Ouais. de Théo Rivière et Bruno Catala. Mais c'est un peu le jeu que. Alors, j'ai toujours pas joué en vrai. En fait, j'adore tellement le jeu que j'en ai offert un exemplaire à ma nièce et un exemplaire à moi. Et je pense que tous ceux qui me demanderont, je ferai des exemplaires de ça. Mais j'aime beaucoup aussi. Comment il s'appelle? Donjon Paper de. C'est Super Ah oui, Meeple. ok. C'est un jeu de roll and write où il faut explorer un donjon et se balader. Dans le donjon, on monte de niveau, on boit des potions et on va taper des monstres.
En fait, globalement, sur la période actuelle où tout le monde dit il y a trop de roll and write, moi, au contraire, je suis trop content parce que j'adore lancer des Moi, dés, quoi. j'adore ça aussi. Ouais. En fait, j'adore lancer des dés et écrire des trucs. Du coup, allez-y, faites-moi des millions de roll and write, ça ne me vient Est-ce que tu pas. connais Corinthe? Vraiment. Ouais, Il est bien aussi je celui-là. l'ai. En plus, il y a des chèvres. Ouais, il est marrant. En fait, globalement, moi, il y a pas, y a, je dirais jamais d'un jeu que il y a des jeux que je préfère à d'autres, mais je vais jamais dire un jeu que c'est vraiment horrible au point de jamais jouer. C'est-à-dire que même si j'aime pas, par exemple, Carcassonne, il y a des jeux que j'aime pas, genre par exemple Tapestry, c'est un jeu que j'aime pas trop, mais où on, je peux, je, y a, en fait, il y a jamais de, pour moi, je pense qu'il y a jamais de mauvais jeu. Il y a des mauvaises situations. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer un jeu parce que bah voilà, vous étiez trois autour de la table, tu as passé une mauvaise journée, tu es un peu fatigué, du coup bah ça te plaît pas. Ou alors c'est pas une raison de pas réessayer. Ouais. Mmh. Moi je suis toujours optimiste, il faut toujours réessayer. Tu essayes 3, 4, 5 fois, la cinquième fois, au bout de la cinquième fois, si vraiment ça passe pas, bon bah ça passe pas. Mais je dirais jamais non à un jeu, à part un ou deux, genre Lucky Number, pour le coup, j'y jouerai jamais parce que c'est du loto, quoi. Mais à part ça, Est-ce que tu as joué à Welcome to the Moon? j'ai joué à Welcome Et to the est-ce que Moon. Je l'ai du coup, d'ailleurs. le jeu, tu sais, il y a l'aventure 3, J'ai fait que la les trois troisième. pro... ouais, j'ai fait les trois premières pour La l'instant. troisième fait beaucoup penser à Lucky Numbers. Ouais, mais c'est Il Welcome. Il y a plus de symboles. Il faut tourner quand même les cartes et il y y a a un autre le truc, petit quoi. Il faut vaisseau qui davantage, quoi. balade. Ouais, ok. Là, c'est la Ouais. mécanique qu'on retrouve, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi non plus, ça m'éclate pas, Lucky Numbers. Bon. Après, ouais, voilà, disons que pour le coup, je me souviens quand j'ai joué à Rise for Galaxy la première fois, c'était une catastrophe, j'aimais pas du tout le jeu, et on y a joué tout le week-end, et au bout de, parce que je voulais absolument apprendre à y jouer et tout ça, et après maintenant, c'est un de mes jeux préférés et tout ça, c'est vraiment, moi je suis comme ça aussi dans la vie, quoi, c'est pas parce que j'aime pas une première fois Ouais, tu vas pas t'arrêter que à je vais ça, pas tu vas réessayer continuer, une quoi. deuxième fois. Non, je m'arrête pas. Bah c'est, je sais pas, pour moi les, c'est comme les gens dans les gens, quoi. C'est ils sont peut-être au début, bah tu les apprends, t'apprends à les connaître, il faut un peu de temps. Allez, bon, moi les jeux et les choses, c'est C'est un peu du même un peu acabit. pareil, quoi. Alors il faut savoir aussi que je suis un joueur de Magic, enfin je suis calmé, mais j'étais joueur de Magic the Gathering de 2011 à 2020. J'ai arrêté 2 ans et puis là, je joue maintenant, je suis un peu sur Internet. Mais j'ai fait de la compétition où je me déplaçais à travers l'Europe pour Ah faire de ouais, la carrément. compétition. Ok. Et sans forcément grand succès à chaque fois, mais en fait, ce qui me plaisait dans la compétition, c'était pas d'écraser l'autre, c'était d'être meilleur que le matin même. C'est-à-dire, tu fais le tournoi, tu fais les 8 heures de tournoi avec 3 000 personnes, mais tu as commencé en étant avec telle connaissance et à la fin de la journée, tu reviens avec telle connaissance. Et donc, du coup, voilà, c'est le but, c'est toujours ça, en fait. C'est de faire quelque chose, d'essayer de le faire et de progresser et d'arriver à faire mieux. Et alors, est-ce que tu as déjà fait d'autres tournois, sinon? Alors, j'ai fait surtout des tournois de Magic et donc, Donc, c'est c'est déjà pas tout. mal, hein, c'était une question comme ça, mais J'ai fait 10 ans c'est 10 ans de énorme, hein, compète. déjà. En fait, un beau jour, il fallait que ça s'arrête. J'en ai eu marre, j'ai revendu mes cartes et du coup, j'ai arrêté de jouer. Et là, j'ai repris parce qu'il y a Magic Arena et qu'on peut jouer gratuitement sur Internet. Du coup, Moi, j'ai jamais joué à je Magic, fais tu vois. 3-4 J'ai parties. des élèves au collège là qui en parlent dans le prochain journal du collège. Et tu Bah, vois, j'ai c'est jamais le. joué à ça. Et ça revient à la mode, hein, du coup, les ados, ils y jouent. Bonne nuit, Bonne nuit. Marina. Bah, de toute façon, on va pas tarder non plus, hein. Par quoi tu voudrais finir? Bah,
Je viens un petit follow sur mon compte Insta et un petit follow sur Twitch. Il y a deux trucs à savoir. C'est que le 7 janvier, il y a. Le 7 janvier, normalement, si tout va bien, si la fibre est arrivée et que ça marche, je fais une Oui. soirée à partir de 20h pour fêter les 2 ans de stream. Qu'il faut aller faire un follow à Pénélope Gaming FR, parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui et que je n'ose le rappeler, mais c'est une personne formidable. En plus, elle a eu son anniversaire lundi. Donc, faut aller lui faire un petit follow. Et puis, voilà. Merci à ma maman Castor de me soutenir, même quand c'est pas facile. Merci à ma proche famille de me souvenir. Ouais, c'est l'anniversaire de Oui, stream. Mon mais anniversaire à moi, c'est en mars. à retenir. Voilà. Voilà. Non, mais sinon, on se retrouve à Cannes. Je serai à Cannes avec maman Castor et mon ami avec qui j'ai créé mon Ah jeu. bah oui, t'as pas parlé de Mon ça. jeu Est-ce que tu veux de. parler de ça peut-être? Ouais, je peux parler de ça. Alors, j'ai créé un jeu qui s'appelle Représailles, qui est un jeu de deck building dans un univers médiéval fantastique. La particularité, alors il n'y a pas de grosse originalité. La particularité, en fait, c'est que toutes les cartes sont uniques. Il y a un contour, des objectifs. En fait, j'ai mis tout ce que j'aimais dans un jeu. Enfin, on a mis tout ce qu'on aimait. On est des joueurs de Magic, donc on a mis un peu, ça se ressent un peu dans le jeu. Il y a voilà, un contour, des objectifs, des moyens de tarabiscoter un peu. Il y a tout le cœur du deck building. Et quand j'ai parlé du jeu à Ludovic Maublanc, il m'a dit que c'était un bon premier proto. Bon, c'était pas le jeu du siècle, mais il m'avait dit que c'était un bon premier proto Bah, pour une c'est bien première ça. fois. Est-ce que tu as déjà regardé les prototypes, les les lives prototypes de Théo Rivière? Ouais, Théo a regardé mon jeu aussi. Il y a plein de gens qui ont regardé les règles. Je l'avais envoyé à Théo, et puis c'est passé sur son stream. Je l'ai passé à Ludovic Blanc. Je l'ai passé à Monsieur Pingouin, Oussama Kalifati. Il a fait une partie avec moi avec APEL. Et là, le proto, c'est Pénélope qui l'a pour le moment. Elle voulait y jouer, donc je lui ai passé le proto. On est content. Bah oui, moi j'aime beaucoup le jeu, quoi. Après, je sais pas s'il est éditable, c'est pas à moi de Et le dire, avec mais. les retours que tu as eus, est-ce que ça t'a permis de l'améliorer ou... Disons que mon co-auteur n'est pas enclin à trop y retoucher, puisque il a la flemme, faut le dire. Mais pour moi, il est fini, quoi. Il est bien comme il est pour le moment. On a passé beaucoup de temps sur l'équilibrage et tout ça. Du coup, s'il est éditable, c'est cool. Et s'il n'est pas éditable, ça sera toujours un jeu à montrer aux gens, bon, montrer un peu ce que Bah pour j'aime et ton tout ça, quoi. entourage Après, déjà. j'ai d'autres protos qui traînent. J'ai un ou deux protos qui traînent au fin fond d'un placard, mais pour le moment, je n'ai pas loisir, je n'ai pas le cœur à Ah bah c'est l'ouvrage. déjà super d'avoir fait un prototype et puis tu peux y jouer avec ton entourage, c'est déjà top. Ouais. Bon bah écoute, en tout cas nous on se verra à Cannes aussi, normalement. Ouais. Ça sera avec plaisir. Et Merci à toi d'avoir participé à ce live avec moi. faut que je voie avec Blue Cocker du coup pour prendre un rendez-vous pour les Bah oui, nouveautés. pourquoi pas, hein. Moi je peux communiquer ton contact et puis tes documents s'il y a besoin. On Ok, voit ça ça marche. en off après. Ouais. Bah merci encore. Merci à ceux qui étaient présents ce soir sur le chat. C'est cool d'avoir participé avec nous. Bonne fin de soirée et bonne nuit aussi, Laëlys. C'est cool d'avoir échangé avec nous. Bonne nuit. À bientôt. Alors, petite pause dans les lives pour la période de Noël. Hein. C'était le dernier de décembre de cette année même. Tu termines en beauté cette année de live, Caftor Mutant. Plus Ah, oh, Castor. pardon, mais c'est Castor, parce que c'est soutien écrit devant Castor. moi, Oui, Castor bah Mutant. oui.
Alors, tu termines en beauté cette année de live Castor. Voilà. Et donc, on se verra l'année prochaine dès le premier mercredi. Donc, mercredi 3, non, 4 janvier. Mercredi 4 janvier, on sera en live pour un débat donc sur la communication autour des jeux. Donc, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Profitez bien de vos Joyeux proches, Noël. de tout ce que vous aimez. Et on se retrouve un peu plus en forme pour ma part l'année prochaine, donc en janvier. À bientôt! Et merci encore, À Castor. bientôt tout le monde.